My Little Pony, Equestria Girls, Rainbow Rocks. Musique aux oreilles. Equestria Girls, Rainbow Rocks. Guitare de rêve. Rainbow Dash, je ne comprends vraiment pas pourquoi tu ne veux pas jouer avec la guitare que tu as déjà. Maintenant, je comprends. Pourquoi pas celle-ci? Non. Celle-ci? Non. Super Groovy? Non, Pinky. Eh bien, alors dis-nous ce que tu cherches. C'est bien ça le problème. Je veux une guitare avec un look aussi démentiel que les sons que je vais en tirer. Bah les pattes de ma guitare, Trixie! Je l'ai vu en premier, Rainbow Dash! Si vous voulez mon avis, c'est l'occasion ou jamais d'organiser un petit concours amical. Ouais, super idée! On va bien voir qui joue le mieux. Prête à déchirer? Plus que prête! Faites pour moi. La grande et puissante Trixie finit toujours par l'emporter. Ça, j'en doute. Elle coûte 12 000 euros. Tu paieras ça très cher, Rainbow Dash. Non, maligne. Si tu la veux, c'est toi qui vas payer très cher. Little Pony, Equestria Girls, Rainbow Rocks. Amstocalypse. Merci d'être venu, Rarity.
Le refuge pour animaux a besoin de toute l'aide possible. Mais c'est tout naturel, chérie. Aider d'adorables petits animaux, ce ne sera jamais démodé. Une fois par an, un heureux volontaire a la chance de pouvoir nettoyer les cages des hamsters. Je me suis inscrite il y a des mois pour être sûre d'être choisie. Attention les amis, grand nettoyage. Oh, Fluttershy, ma chérie, les hamsters, ce sont bien des rongeurs. Oui, bien sûr, mais ils sont aussi mignons et adorables que des petits lapins. Venez, petit hamster, suivez Rarity dans la pièce à côté. Elle prendra bien soin de vous pendant que je vous fais une maison toute propre. Rarity, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la veste de Carl Pettington avait besoin d'un petit accessoire. Mais Emilia Furhart m'a fait une crise de jalousie et a poussé Curtis Papower et Mephil Bumblepuss à m'achouguer le petit foulard de Carl. Et en un rien de temps, notre réunion amicale a tourné à la bagarre générale. C'est moi qui les ai nommés comme ça. Mesdames et messieurs les hamsters, je vous en prie. Je sais que vous êtes tous très fâchés, mais vous pourriez peut-être rentrer chez vous et discuter tranquillement. Jamais imaginé que les hamsters étaient à ce point passionnés par la mode. My Little Pony, Equestria Girls, Rainbow Rocks, Pinky aux baguettes. Surtout souviens-toi, le plus important quand on fait des gâteaux au beurre frais et au chocolat, c'est de mélanger tout doucement. Si tu y vas trop fort, tes gâteaux seront aussi durs que les sabots d'une vieille jument. Tu viens, Pinky? Tu devais m'aider à trouver un percussionniste pour mon groupe. Bon, d'accord, je vais mélanger un peu plus vite. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point c'est difficile de trouver quelqu'un qui sache utiliser ses deux mains comme un vrai batteur. T'as raison. Écoute, il faut absolument que notre groupe soit super cool. Alors tu peux utiliser autant de paillettes que tu veux. Un batteur, ça peut pas être n'importe qui. Oh, bien sûr que non. Il faut qu'il ait un véritable instinct. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait beaucoup d'énergie. Ah oui, absolument. Je veux dire beaucoup de l'énergie, de l'enthousiasme. Pinky! Quoi? Quelqu'un qui soit capable de porter tout le groupe sur ses épaules. Ah! Pinky! Il faut qu'on lui trouve un moyen de canaliser son énergie. Engager Pinky comme batteuse? Je sais pas trop. Je crois que j'ai un instinct pour ce genre de choses. My Little Pony, Equestria Girls, Rainbow Rocks, Piano Mobile. Oh, courage, Rarity. Il faut absolument que tu poses ce piano jusqu'à la répétition. Mais qui a bien pu oublier de lui mettre des roues à ce piano? Mais de quoi j'ai l'air? Je suis affreuse. Voilà ce qu'il me faut. Des muscles en plus.
Ohé, les garçons! Merci infiniment, vous êtes trop gentils. Et même si je suis un peu dégoûtée par votre odeur de transpiration, j'apprécie vraiment tous les efforts que vous faites. Excusez-moi, désolée, excusez-moi. Merci. Oh, mais où est passée Rarity? T'inquiète pas, je suis sûre qu'elle va pas tarder à faire une entrée spectaculaire. Voilà. Qu'est-ce que je te disais? Rarity, tu n'aurais pas pu choisir un instrument plus facile à transporter? Absolument pas. Le piano à queue est l'instrument le plus raffiné et le plus élégant de tous. Ce n'est qu'avec lui que je peux exprimer toute ma sensibilité musicale. Ça y est, on doit partir. Je crois qu'on va devoir continuer la répétition au gymnase. Tu vas devoir déplacer l'instrument de ta sensibilité musicale à l'autre bout du lycée. Quoi? Oh non! Ou alors, tu peux utiliser ça. C'est une guitare avec un clavier. J'appelle ça une guivier. Et pourquoi pas un clatard? Comme tu veux, c'est chou vert et vert chou. Oh, ah, oh là là! Maintenant, si tu embarquais ta guivier et qu'on allait répéter au gymnase comme prévu. Très bien, très bien. Vous êtes prêts, les garçons? My Little Pony, Equestria Girls, Rainbow Rocks. Basse en balade. D'accord, Granny, on reprend du début. Sans le vouloir, tu as vendu ma basse dans un vide-grenier. Mais à qui l'as-tu vendue? Je l'ai vendue au propriétaire de cette nouvelle boutique, au royaume de Flim et Flamme, quelque chose comme ça. Bienvenue à la grande ouverture du royaume de Flim et Flamme où l'on trouve tout ce que vous pouvez désirer sous le soleil. Si vous le voulez, nous le vendons. Une échasse chanteuse, une boule de boulou, un petit clou, une chose bizarroïde. Je voudrais cette basse. Je peux vous la laisser pour le prix ridicule et non négociable de 1000 euros. Comment ça, 1000 euros? Mais vous l'avez payé 2 euros à Granny Smith. Évidemment, ma chère, il faut bien couvrir nos frais de transport, d'assurance. Écoutez, Granny n'aurait jamais dû vendre ma basse. Je vais vous rendre vos 2 euros et on en reste là. Pas question, même pas en rêve. Oh que si! C'est ma basse! Et d'abord, peux-tu prouver qu'il s'agit bien de ta basse? Bien sûr, j'ai cousu ses initiales sur la bandoulière. Et après, ces initiales signifient peut-être... Amour à jamais. Abri de jardin. Ou animal jaloux. Je parie que tu ne sais même pas jouer de la basse, Applejack. Si seulement c'est ton vrai nom. Mais enfin, bien sûr que c'est son vrai nom. Et elle joue très bien de la basse. C'est peut-être bien la sienne, après tout. Mais il reste encore à payer nos frais de transport, d'assurance... Sans compter nos frais de stockage. C'est ce que j'allais dire, frérot. Bon, écoute, nous pourrions peut-être faire une sorte d'échange. Bienvenue à la grande ouverture du royaume de Flim et Flamme, où l'on trouve tout ce que vous pouvez désirer sous le soleil. Et depuis quand joues-tu de la basse, toi? My Little Pony, Equestria Girls, Rainbow Rocks. Remets-toi. Rien qu'une journée pour se préparer. On ne sera jamais prêtes à temps. Mais un petit miracle est vite arrivé. Et tout s'arrangera heureusement. On sait pas. Parce que ce soir on va faire la fête. Salut toi.
la fête. My Little Pony, Equestria Girls, Rainbow Rocks. La journée idéale. Ce soir, on va faire la fête.